C'est, donc là aussi, c'est des sujets qui me sont chers. Beaucoup interrogé par les pouvoirs publics et d'autres, et je débat beaucoup avec d'autres observateurs sur le sujet, on est en ce moment en train de parler du plan de relance. Les mots ont un sens. Je crois qu'on se trompe en parlant de plan de relance. On n'a pas besoin de relance. On a besoin d'un plan de reconstruction. Un plan de reconstruction pour répondre en fait à un changement de contexte majeur. Et donc, si vous me permettez, je vais prendre quelques minutes pour lister les raisons qui font que aujourd'hui, nous avons besoin d'un plan de reconstruction, reconstruction d'un modèle de société avec un S, c'est-à-dire la grande société, c'est-à-dire que les règles du jeu collectif, le champ politique dans lequel on décide d'évoluer collectivement, et mais aussi de société avec un S, c'est-à-dire nos petites sociétés, hein, parce que je trouve que je suis entrepreneur également, et quant à notre capacité, finalement, à re-réfléchir la manière dont on pratique notre métier, mais au-delà de la pratique de son métier, comment on livre le service ou le bien qu'on s'est engagé à livrer à notre client final. Et donc, d'une certaine manière, ces révolutions qui sont pas à nous, doublées de la crise sanitaire qu'on vient de vivre, qui n'est pas terminée, notamment sur le champ économique, il serait intéressant d'échanger tout à l'heure, lors des questions-réponses ou lors du dîner, de ce que vous pensez en fait de l'État finalement en apesanteur du tissu entrepreneurial français, puisqu'on a créé les conditions de l'apesanteur. Regardez les chiffres de défaillance, il n'y a plus de faillite en France. Il y a les chiffres de faillite du mois d'août et du mois de septembre sont 25 ou 30% en deçà des chiffres de l'année dernière. Tout simplement parce qu'on a créé les conditions momentanées de l'apesanteur. Mais vous qui êtes au plus près des clients, vous savez que ce qu'on a évité, c'est d'abord une crise de cessation de paiement, se pose la question d'une crise de solvabilité derrière. Est-ce que le passif que vous avez aidé et qu'il fallait mobiliser pour se sauver collectivement, puisqu'on avait le choix de tout arrêter pendant une certaine période de temps, aura des conséquences? Ces conséquences-là, il faudra les adresser. Il faudra les adresser, donc il faudra mobiliser pour vous aussi des compétences qui vous permettront d'aider vos clients à adresser cette problématique forte, nouvelle, qui est celle de la solvabilité. Est-ce que mon passif, en gros, ne sera pas trop lourd à porter par rapport à ma capacité à créer de la richesse? C'est-à-dire que vous les avez aidés à se sauver, à éviter la cessation de paiement. Vous devrez les aider aussi, probablement, à trouver les bonnes solutions pour que derrière, le fait d'avoir réussi finalement à éviter cette crise de liquidité, cette crise de cessation de paiement, ne se transforme pas en crise de solvabilité. Vous voyez, donc on est vraiment dans ce champ-là. Alors cette crise sanitaire, c'est cela, c'est vraiment c'est le coup de grâce dans un monde qui était déjà extrêmement tendu. Et j'y reviens parce qu'il ne faut pas que la violence du choc qu'on vient de vivre nous fasse oublier le monde dans lequel on était encore au mois de janvier. Et quel est-il ce monde au mois de janvier qu'on a quitté définitivement? À quoi il correspond? Comment on pourrait le qualifier? Tu l'as très bien dit tout à l'heure, à savoir un monde incertain, un monde de défiance, je dirais surtout un monde de tension. Tension dans tous les domaines. Et alors, c'est là où mon métier me fait dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu et tout ça n'est pas le fait du hasard. C'est qu'en réalité, ces tensions qui sont d'ordre social, géopolitique, politique, environnemental, et qui parcourent en fait l'ensemble de la société, sont l'expression d'une seule chose, l'inadéquation d'un modèle de société que nous avons conçu il y a 40 ou 50 ans sur la base de ce que nous étions. Eh bien, ces tensions-là, elles sont l'expression de l'obsolescence de ces modèles. Du décalage qu'il y a de vivre avec un modèle conçu il y a 40 ou 50 ans sur la base d'envies, de besoins, de capacités qui ont fondamentalement changé aujourd'hui et qui rendent obsolète ce modèle. Et ce décalage, alors les populations ne sont pas conscientes de ça, n'arrivent pas à mettre des mots dessus, je vais essayer en fait d'en mettre quelques-uns juste après, mais les populations sont très sensées, on dit le bon sens. Donc le bon sens, il ne réclame pas de diplôme, mais les populations sont sensées et les tensions qui aujourd'hui naissent dans notre société, c'est un cri, un message qui doit nous pousser, et ce message quel est-il? C'est l'obsolescence de modèles conçus il y a 40 ou 50 ans. Et c'est pour ça que c'est compliqué, et d'ailleurs dans le champ du politique, qui est aussi mon quotidien, c'est compliqué, parce que pendant 40 ou 50 ans, nous n'avons eu qu'à finalement adapter un modèle qu'on a hérité. C'est-à-dire qu'on a hérité d'un modèle et nous n'avons eu qu'à l'adapter. Aujourd'hui, les changements sont tels que nous ne pouvons plus procéder de la même manière. On n'est plus face à un changement ou à une adaptation de modèle, on est face à une reconstruction, une recréation de modèle. Et vous le savez, vous en êtes des entrepreneurs et vous en accompagnez. Eh bien, la psychologie sous-jacente à un gestionnaire d'entreprise et la psychologie sous-jacente à un créateur d'entreprise n'est pas la même. Elle ne requiert pas les mêmes qualités. Elle ne réclame pas la même méthodologie, en fait, la même méthodologie pour justement créer versus gérer. Et le temps qui s'ouvre devant nous,
Et ce qui est extrêmement compliqué, c'est qu'on a, aujourd'hui une cohorte politique conforme à gérer un modèle et pas à créer un modèle. Et donc il y a une forme d'inadéquation. C'est vraiment difficile. Hein. C'est difficile, ils le vivent aussi eux mal parce qu'ils se rendent compte de la difficulté qu'ils ont à proposer un plan de reconstruction parce que ça sous-tend une vision et aujourd'hui on ne leur a pas appris à avoir une vision. Et donc cet élément-là est à prendre en considération. Alors je vous dirais juste un mot. Alors là, c'est l'économiste qui parle. Des raisons qui font que le monde, l'état final, ne ressemble pas à l'état initial, il est essentiellement associé, selon nous, en fait, à nos propres changements. Notre modèle, il était conçu tout simplement sur une démographie de notre population extrêmement vivace, extrêmement jeune, avec des profils, et vous savez, on consomme plus en réalité quand on est jeune, l'âge à laquelle on consomme le plus, c'est entre 45 et 55 ans, et après 65 ans, on consomme de moins en moins. Or, il faut quand même avoir quelques chiffres en tête. Hein. En France, la seule cohorte d'âge qui augmente dès à présent, c'est les plus de 65 ans. Les 20-65 ans, on est 36 millions de personnes. En 2030, on sera 36 millions de personnes. Les plus de 65 ans, on est 12 millions aujourd'hui. Même on était 12 millions hier. En 2030, on sera 16 millions. C'est la seule cohorte d'âge qui augmente aujourd'hui dans notre population. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et encore, c'est moins important chez nous que chez nos collègues au niveau international, dans les autres pays. Eh bien, ces changements profonds de société dans son ensemble, hein, c'est-à-dire pris collectivement, de population dans son ensemble, ça change fondamentalement quelque chose en économie qui était l'axiome de base sur lequel on avait conçu tout notre modèle. C'est-à-dire que le vieillissement de nos populations nous amène à avoir un potentiel de création de richesses plus faible que par le passé. Savoir que pendant très longtemps, on était finalement porté par ce que nous étions et ça nous permettait d'espérer, d'avoir le potentiel de créer 2, 3, 4% de croissance par an, de richesses créées en plus par an. Ces changements démographiques profonds nous ont amenés à quitter ce monde-là. C'est pas terminé, ça va jusqu'en 2030-2035. Et grosso modo, maintenant, ce qu'on peut espérer en termes d'évolution de la croissance, selon les pays, c'est entre moins 1%, pour ceux qui sont les moins bien dotés sur ce plan, et plus 1%. Et en fait, nous avons conçu un modèle qui était adapté, notamment en termes de prestations sociales, de dépenses sociales, à une augmentation naturelle des recettes fiscales basée sur une augmentation de la richesse créée chaque année. À partir du moment où vous faites le constat que notre incapacité à créer de la croissance, il faut arrêter de se flageller. Il faut arrêter, c'est-à-dire qu'il faut s'interroger, est-ce qu'on ne crée pas de la croissance parce qu'on est mauvais ? On l'est, on l'a été, on le sera, il n'y a pas de souci. Il faut s'interroger aussi sur ces pratiques. Mais est-ce que on n'arrive pas à créer de la croissance tout simplement parce qu'on ne peut pas ? Eh bien, ne pas comprendre que l'évolution de nos comportements, de ce que nous sommes en tant que société, en tant que population, nous amène à ne plus pouvoir espérer les mêmes taux de croissance, donc à ne plus pouvoir supporter des modèles de société qui sont conçus sur une augmentation naturelle des recettes fiscales, tout simplement parce qu'on crée plus de richesses. Et vous savez, c'est dangereux de continuer à faire croire aux gens qu'on peut créer plus de richesses. Au niveau global, agrégé, hein, ça ne veut pas dire qu'au niveau de l'entreprise, vous n'arrivez pas, hein, bien au contraire. Surtout en ce moment avec les opportunités qu'il se crée. Mais quand vous dites aux populations, ne vous inquiétez pas, on va créer les moyens en fait, de pouvoir générer de la croissance, donc on n'a pas finalement besoin de réinventer son modèle, c'est dangereux parce que moi ce que j'ai appris en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire vis-à-vis de son client, c'est une promesse qu'on ne peut pas tenir. Parce qu'une chose est sûre, le client ne revient jamais. Alors qu'est-ce qui se passe quand un politique fait une promesse, c'est-à-dire, mais c'est pas mal intentionné, mais fait une promesse et qu'il ne la délivre pas. Ça se traduit comment un client qui ne revient jamais ? Mais ça se traduit par des tensions sociales, des tensions politiques. Et rassurez-vous, hein, ces tensions-là, elles sont partagées avec tous les pays du monde. Et ce qu'on dit depuis maintenant une grosse dizaine d'années, c'est que ce qui se passe là, c'est simplement l'expression, la difficulté qu'on a à faire le constat de l'obsolescence de ce qui nous a fait jusqu'à maintenant et de la nécessité de créer autre chose. Et donc on est dans ce temps-là et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais la crise sanitaire que nous venons de vivre est un accélérateur de ce changement.